Ouf, une grande joie. Une grande fierté. Un défi, ouais. C'était un défi. Ouais. Un soulagement parce que c'est terminé. Un plaisir, une satisfaction personnelle parce que pour moi, c'était pas gagné. Une reconnaissance professionnelle, arrivé à mon âge. L'AFPA en a besoin. Surtout, remettre des mots justement sur mes actions de formation, sur mon métier. Cette démarche parce que j'étais un réparateur pur et j'ai changé de métier pour être formateur. J'ai validé ce changement de cap, tout simplement. Mais justement, le challenge, est-ce que je suis capable de... J'ai envie de prouver que même en étant maçon de base, qu'on peut devenir formateur et qualifié. Ah ben c'est une reconnaissance par mes pairs de ma capacité à être formateur professionnel pour adultes. C'est une grande fierté parce que après 50 ans, avoir un diplôme de niveau 3, c'est pas forcément évident. Parce que c'est une reconnaissance de ces 16 années passées dans le métier de la formation. Parce que j'ai réussi à aller jusqu'au bout. C'est, je dirais, être capable de reprendre les études à un certain âge. Aider à répondre aux appels d'offres. Je suis reconnu au sein de ma famille, j'ai un diplôme de niveau 3. Une reconnaissance auprès des enfants aussi, qu'à 54 ans, on peut se remettre aux études. Ah, parce que je n'ai jamais passé de diplôme d'études supérieures, donc c'était un challenge pour moi. Mais en fait, par rapport à ma famille, mes enfants qui sont tous Bac plus 2, je suis le dernier Bac plus 2 de la maison. Quoi. Voilà. On est tous au même pied d'égalité maintenant. Non. Oui. Mais dans la bonne humeur. C'était une année intense. Énormément. Et il faut bosser. La remise en question. L'écriture. L'écriture. Oh, comment écrire ce que je fais tous les jours, au quotidien. Un investissement quand même important. Il n'y a pas de difficulté majeure. Ce qu'il faut, c'est une continuité dans le travail. Ça a été d'être 5 semaines avec les collègues. Ça a été le plus facile et le plus agréable. C'est la richesse du groupe, c'est l'ambiance. C'est... De monter à Paris avec rejoindre le groupe. Plus facile. Oh ben, tout a été facile. Avec l'accompagnement qu'il y a eu, les collègues, la formatrice, tout a été facile. Je ne sais pas s'il y a eu des choses faciles. Le jour du titre. Pas grand-chose, mais j'ai atteint mon objectif. Donc c'est... J'ai gagné une victoire. Ça ouvre d'autres portes. Ma posture professionnelle. Une autre façon de voir les choses et peut-être un nouveau poste. J'arrive à mettre en pratique des concepts pédagogiques. J'ai une autre image de moi dans la tête. Ouais. Bah, il faut foncer. Il faut rentrer et puis pas se poser de questions. Il commettrait une erreur, il faut y aller. Quoi. C'est un pur moment de bonheur, il faut y aller. Ah, de pas hésiter. Pas hésiter, il faut y croire, avec un accompagnement pareil, ça marche. Foncez, faut pas avoir peur. Faites-le.